Alors bonjour à tous, je ne sais pas si c'est un jour avec des problèmes techniques, c'est possible, c'est tout à fait possible, maintenant normalement ça devrait marcher, en tout cas je croise les doigts, croisons tous les doigts s'il vous plaît, aidez-moi, je vais dire bonjour à tout le monde comme d'habitude, Soussou est là, Luciana est avec nous, Gloria est là, bonjour, Ashwati, bonjour, Denise est avec nous du Québec, qui est-ce qu'il y a d'autre? Stardust est là, bonjour. Comment ça se passe Stardust avec les doigts? Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait on n'a pas fait le point sur les doigts de Stardust, on ne sait pas. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, Yossi est là aussi. Victoria Possé, ah, que s'est-il passé Victoria Possé? Je m'étais posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'était plus là. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'étiez pas malade ou quelque chose comme ça. Sundar est là, Felipe bonjour. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, je regarde. Athé est avec nous, Vouslat est là aussi, Fatima, coucou, Victoria Jacques est là aussi, écoutez, Edgley, bonjour, c'est en français Edgley, Tachi est avec nous aussi, et puis Brahim, bonjour Brahim, c'est en français, hein. Et Ashwati est là aussi. Écoutez, on va commencer si vous voulez bien. Alors n'oubliez pas de cliquer sur le like, hein, c'est une formalité, mais quand même essayons d'atteindre, si c'est possible, les 100 likes, ce serait sympathique quand même. Alors, la chanson du jour, Yann Arte, bonjour. La chanson du jour, c'est un grand classique. Meditator, bonjour également. Et vous devriez connaître cette chanson. Si vous ne la connaissez pas, après le cours, il faudra la découvrir. Une chanson qui n'est pas récente du tout. Mais c'est un classique de Françoise Hardy. Françoise Hardy qui nous chante « Comment te dire adieu ?» Un grand classique de la chanson française. Si vous ne connaissez pas Françoise Hardy, je vous invite à la découvrir. Et elle a continué à faire des choses, et notamment, elle avait fait des collaborations avec Étienne Dao, dont je vous avais parlé précédemment. Et le documentaire du jour, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Alors sur YouTube, je crois qu'il y a une version. C'est quelque chose sur les Russes blancs. Et c'est assez intéressant, puisqu'il y a beaucoup de descendants de Russes blancs qui ont été dans différents corps comme ça de métiers. Et on a pu en retrouver, justement. Et Marina Vladi, qui est une grande actrice. Robert Hossein aussi, qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Ce sont des descendants de Russes blancs. Et c'est vraiment très 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 intéressant comme documentaire. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Voilà. Alors Victoria qui nous dit « J'ai eu un rhume d'allergie printanière ». Oh, je connais. Moi aussi, j'avais essayé certaines plantes qui me posent des problèmes au printemps ou début d'été. Je suis en pleine forme à 100%, elle nous dit Victoria. Nous vous disons bravo. Allez, la question du jour, ça n'est pas une question philosophique. Aimez-vous les clowns? Oui ou non, mais pourquoi? Il faut bien sûr argumenter votre réponse. Chériline qui nous rejoint. Bonjour Chériline. Une question qui n'est absolument pas philosophique. Est-ce que vous aimez les clowns? Oui ou non, mais pourquoi? Expliquez-moi, merci. Thank you.
Alors, je regarde Edgley qui commence à écrire en français. C'est très bien, Edgley, bravo. Ils me rendent heureux. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec les clowns. Justement, Sherilyn qui dit « Non !» Ils sont effrayants. Les clowns, on aime ou on déteste. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui est entre les deux. Je ne sais pas, on va voir. Victoria Jacques, seulement quand je suis clown. Je m'appelle un clown tous les jours. Ah, mais Victoria Jacques, la vie est un cirque. La vie est un grand cirque, donc nous sommes tous des clowns, bien sûr. Denora qui dit « Non, parce qu'ils ne m'amusent pas ». Stardust qui dit « Non, je n'aime pas les clowns sont mauvais ». Lire trop de livres. Alors ça, j'ai pas compris, Stardust, là, la fin. Mercurialman qui nous dit « J'aime les clowns parce que ce sont des clowns ». Voilà la voie de la raison, peut-être. Sundar, je n'aime pas les clowns parce que j'ai peur avec les clowns. Ben d'accord. Hillary qui nous dit « Oui, j'aime les clowns parce qu'ils sont amusants, mais je ne veux pas être une clown. » Oh ben non, non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Victoria Jacques a sa théorie. Elle pense que nous sommes tous des clowns dans cette vie, peut-être. Cosmina qui dit « Non, je n'aime pas les clowns. Je n'ai pas un motif particulier. Simplement, les clowns ne me plaisent pas. » Edgley qui dit « ça me fait rire ». Yossi qui nous dit, attendez, Victoria Possé, « je n'aime pas les clowns même quand j'étais petite parce qu'ils m'ont fait un peu peur ». C'est vrai que ça fait un peu peur les clowns. Yossi qui dit « je n'aime pas les clowns et ce qu'ils font, mais je peux les regarder sans problème ». Bon oui, Victoria Jacques, oui, hein, le cirque de la vie, le cirque de la vie. Luciana qui nous dit « quand j'étais enfant, j'aimais les clowns parce qu'ils étaient drôle. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils souffrent aussi même avec des visages à sourire. » D'accord. Et Méditator qui nous dit « oui, parce qu'ils apportent de la joie. » Mais apparemment, pas toujours. Hein. Il y a des personnes qui ont peur. Alors, vous aurez peut-être remarqué que maintenant, à côté des likes, eh bien, je vous propose des films français. Donc, vous pouvez éventuellement prendre des notes. Voilà, allez. Oups, bah, ça continue. Que se passe-t-il? L'image du jour. L'image du jour, regardons, c'est une image tragique. C'est une image qui peut faire peur aux âmes sensibles. S'il vous plaît, regardez cette image et bien sûr, écrivez-moi une phrase pour décrire ou commenter cette image ultra violente, je le sais. Un grand merci à Jeanne. Merci Jeanne, merci beaucoup. Allez, on regarde si vous avez écrit quelque chose. Pour l'instant, ça n'arrive pas. Bonjour Cassandra, Cassandra qui nous rejoint. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Stardust, j'adore ça. Formidable, Stardust. Stardust nous dit une vérité terrible. C'est une vérité terrible à entendre, mais c'est vrai. Stardust nous dit « Chaque pomme de terre meurt d'une mort cruelle, tôt ou tard. » C'est vrai.
Luciana qui pense que c'est un œuf. Alors, moi personnellement, je pensais que c'était une pomme de terre. Edgley qui nous dit c'est un accident mortel. Très bien. Victoria Jacques qui nous dit c'est une pomme de terre et du ketchup. Eh oui, effectivement. Felipe, mon ami, pourquoi ? Ça, je ne comprends pas la question, Felipe. Ice Cubes qui dit bonsoir tout le monde. Ah, Ice Cubes, elle a du vin. Moi, j'ai de la vitamine C, moi. C'est que du jus d'orange avec de la glace. Jeanne qui nous dit bonjour, ben bonjour et merci beaucoup, Jeanne. C'est en français ce cours. Ensuite, Gloria donc, qui dit bonjour à Ice Cubes. Victoria Possé, les pommes de terre voient comme leur ami a fini et ils ont peur. Et je crois que c'est ça. Ils réalisent que la fin est proche. Yossi, ils ont peur d'être mangés, c'est vrai. Sundar, parmi les meilleurs, leurs meilleurs trois amis, un ami est blessé et d'autres ont un air terrifiant peut-être. Brahim, de la nourriture délicieuse peut-être, je ne sais pas. Gloria qui dit bonjour à Jeanne parce que Gloria est très polie. Edley qui dit elles reviennent sous terre. Peut-être, effectivement. Denora qui nous dit du ketchup avec de la pomme de terre, c'est dommage. Ça, c'est discutable. C'est discutable. Hein. C'est très, très discutable parce qu'après, on ne sait jamais. Vous, Slat, qui dit les pommes de terre ne sont pas heureux. On pourrait mettre heureuse puisque c'est féminin. Parce que nous les mangeons, c'est une image très mignonne. Un petit peu terrible quand même, non ? Cassandra qui dit « Les pommes de terre forment une famille. Une pomme de terre est blessée, les autres ressentiront la même chose. Je suis l'ami qui dit « Ça me fend le cœur. » Bah oui, mais vous en mangez des pommes de terre. Cherylyn qui nous dit « Les pommes de terre vivantes sont horrifiées. » Par le choix de la sauce pour le repas fraîchement chassé. Ça, c'est culturel. Hein. C'est vrai que c'est très, très culturel. Je pense que le ketchup est très populaire dans certains pays. En France, on aurait tendance à mettre un petit peu de moutarde. On aura l'occasion d'en discuter. Brahim qui nous dit, eh bien, mangeons cette pomme de terre. C'est effectivement peut-être la seule chose à faire pour respecter cette pomme de terre qui maintenant doit être mangée d'une façon ou d'une autre. Alors j'attendais parce que je sais que Cosmina aimait toujours un petit peu de temps parce qu'elle est très généreuse et c'est gentil, comme d'habitude, avec deux postes. J'ai imaginé les étoiles vivantes, des fleurs pleines de vie, même des cygnes. Ah non, attendez, même des singes qui vivent des expériences presque humaines. Mais les pommes de terre vivantes, je n'ai jamais imaginé ça jusqu'à présent. Je devrais être plus attentive avec des légumes dorénavant. Eh oui, Cosmina, peut-être que vous allez faire des rêves de pommes de terre maintenant. On ne sait jamais. Ice Cubes qui nous dit quelque chose de terrible est passé. Pauvres pommes de terre. Tout le monde aime les pommes de terre, non ? Je ne sais pas. N'oublions pas de cliquer, merci beaucoup. Allez, à vous la parole, à vous la parole. Prenez-vous beaucoup de photos et pourquoi ? Est-ce que vous aimez prendre beaucoup de photos avec votre appareil, votre téléphone, que sais-je ? Et pourquoi surtout ? Expliquez-moi pour quelles raisons vous aimez ou vous n'aimez pas prendre beaucoup de photos. Allez-y.
Alors, Roman nous rejoint. Bonjour, bonjour, Roman. Nous avons commencé il n'y a pas très très longtemps. Vous pouvez répondre à la question, Roman. La question, c'est prenez-vous beaucoup de photos et pourquoi? Donc, bien sûr, c'est toujours intéressant de développer avec une petite phrase, de me dire pour quelles raisons vous prenez ou vous ne prenez pas beaucoup de photos. Ice Cubes qui dit maintenant non, mais je prends beaucoup de screenshots. Des captures d'écran, cric cric. Roman, je suis venu avant de dire que maintenant je cuisine quelque chose pour moi. Ah ben il faut cuisiner, c'est très important, tout en ayant la leçon avec vous, j'avais hâte de cuisiner. Il faut manger, Roman, c'est très important de bien manger, cuisiner, écouter, il n'y a pas de problème. Brahim qui dit « Désolé pour cette pomme de terre », oui, c'était l'exercice précédent. Stardust, oui, je prends beaucoup de photos, je prends des photos tous les jours et il y a une raison. Oh mais non, Stardust, il faut expliquer. Ah, c'était les... D'accord. Ce sera pour demain. Cling, cling. Sophia X qui dit « Je n'aime pas ces clichés. » Vous n'aimez pas prendre de photos, Sophia X? Victoria Jacques, oui, je prends beaucoup de photos parce que j'aime les souvenirs. Denora qui nous dit « Je suis si contente que j'ai pris des photos de mes enfants. » C'est irremplaçable. Oh oui. Oh, avec les enfants, c'est en permanence. Moi, c'était pareil. Après, les enfants disent « Stop ». Stop, c'est fini les photos. Hillary, alors attendez. Oui, je prends beaucoup de photos parce que je veux me rappeler des choses intéressantes. Mercurial qui dit « J'ai beaucoup de photos sur mon téléphone, mais je ne les regarde jamais. » Ça, c'est un phénomène intéressant. On prend beaucoup de photos avec le téléphone, mais qu'est-ce qu'on fait de ces photos après? Luciana, j'aime prendre beaucoup de photos. Je pense que c'est une façon d'arrêter le temps pour un moment. Ça, c'est vrai. Shahi, oui, j'aime prendre des photos parce que j'aime les regarder ou garder les souvenirs, peut-être. Yossi, oui, selon Andreas. Feininger, un grand photographe, il faut prendre chaque photo au moins 3 fois pour en garder une bonne. Ashwati qui nous dit « Oui, je prends beaucoup de photos parce que les gens changent, mais pas les souvenirs. » Ça serait intéressant. Est-ce qu'on a besoin de photos pour garder des souvenirs? Ça, c'est une discussion. Sundar, non, je n'aime pas prendre beaucoup de photos parce que j'aime regarder par mes yeux et que prendre des photos. Stardust qui dit « Je dois le faire, je me souviendrai de rien dans quelques semaines. » Je l'ai dit pour une raison. D'accord. Ah, bon, ok. Ensuite, Johnny. « Non, je ne prends pas beaucoup de photos car je suis trop paresseux pour faire ça. » Victoria Possé. « Oui, j'aime beaucoup prendre des photos, surtout des paysages, parce que ce sont des souvenirs qui restent à voir. » Toujours. Très bien. Alors, Sanjana, j'adore cliquer sur des photos candides. Très bien. Très bien. Et ça, c'est une bonne chose. Cosmina, j'ai pris beaucoup de photos quand j'étais en vacances avec mon fils ou quand j'étais avec mes parents. Je fais des livres avec ces photos, des albums, ouais, parce que ce n'est pas suffisant de les garder au format électronique. Comme mon fils aura 80 ans, ces livres vaudront beaucoup. Chériline, pas beaucoup, seulement quand je vois des beaux paysages ou des animaux vraiment mignon. Je n'aime pas me prendre en photo, je ne suis pas photogénique. Moi, c'est pareil. Et c'était difficile de mettre la caméra comme ça. Pendant très longtemps, j'ai refusé. 13 ans. Pendant 13 ans, je ne me suis pas filmé. Felipe, oui, les bons moments de la vie doivent être enregistrés. Cassandra, oui, nous prenons beaucoup de photos de chaque occasion. Ben Terdongo qui nous rejoint, oui, ça me rend très heureuse et c'est artistique. Bonjour. Bonjour à vous, Ben Ter.
Alors, ça va être difficile. Le vendredi, c'est toujours un petit peu difficile d'arriver au 100 parce qu'il y a moins de personnes. Les gens sortent, les gens s'amusent, les gens veulent profiter de la vie. Alors, c'est un nouvel exercice, une petite seconde, parce qu'il nécessite juste que je me prépare. Voilà, voilà, ça s'appelle « Écoutez bien ». Alors voilà, on y va, normalement ça devrait être bon. Regardez, l'idée de l'exercice, eh bien, ça va être de vous demander de m'écouter et de choisir le mot que je prononce. Bien sûr, ces mots sont assez proche, et je vous demanderai soit de m'écrire le mot, ou alors j'ai mis des lettres A ou B, c'est comme vous voulez, d'accord? Alors, attention, je vais le prononcer, allez, deux fois, parce que je suis gentil. Tapez-moi 5, Vincent, dit Chériline. Ça y est. Ping, comme ça. Pas dans le visage, on est d'accord. Dans la main. Alors, attention, attention, je vais le lire deux fois. Vous l'écrivez ou vous mettez la lettre. Mère. Mère. Allez-y. Alors, oui, hein, on est d'accord qu'ici, eh bien, c'était A, c'était mère. Mère, alors regardez, ce que je vous propose aussi, puisque c'est un petit peu l'idée, regardons, attention, je vais vous prononcer les deux, d'accord? Comme ça, éventuellement, vous pouvez répéter, je ne suis pas là pour corriger. Mais je vous fais confiance. Alors, le premier, regardez, ah non, si. Ok, je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. Le premier, eh bien, A, c'est mère. D'accord? Ouvert, c'était celui que nous avions. Le deuxième, B, eh bien, ça va être un meur. E, c'est pas vraiment un E. Faites attention parce que vous avez après un R. Donc, le son, il est un tout petit peu moins profond que le E. Donc, c'est pas meur. Ce serait très difficile à prononcer, mais c'est meur. Encore une fois, A, mère, B, meur. Allez, on continue avec le deuxième. Alors, c'est, vous avez compris le principe, hein, j'imagine. Alors, attendez une petite seconde. Hop, on y va. Et là, je vais le prononcer une seule fois, d'accord? Et on va voir si c'est trop difficile ou pas, mais une seule fois. Seul. Allez-y. Alors, Yulia qui ne met pas de lettres, qui met juste une personne qui court. Qu'est-ce qui se passe, Yulia? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Alors, Yulia est en train de courir sur un tapis dans une rue. On ne sait pas, peut-être dans son appartement, dans sa maison. On ne sait pas où elle court. Alors ici, effectivement, c'était le deuxième. Hein, c'était seul. Alors, même chose ici. Hein, je vais vous prononcer les deux. Puisque finalement, l'idée, c'est de distinguer un petit peu les deux sons qu'on a. Le premier, ouvert, et c'est sel. Sel, sel, sel. Et puis, le deuxième, B, c'est seul. Sel, seul. D'accord?
Allez, Olga qui nous dit bonjour, bonjour, bonjour. Julia, vous avez déménagé en Afrique? Ben non! Ah non! Non, mais il fait toujours chaud ici. Il fait chaud. Dans les pays nordiques, comme il fait froid à l'extérieur, il doit faire chaud à l'intérieur. Non, 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 je suis bien comme ça. Attention, numéro 3. Numéro 3, on y va. Faites bien attention. Et hop! Alors attendez, il faut que je descende un tout petit peu quand même pour être professionnel. On y va. Peur. Allez-y. Alors, Carolina qui nous dit « Bonjour à tous, c'est ma première fois ici, c'est correct, c'est très bien. » Alors Carolina, on a commencé avec d'autres exercices. Pour l'instant, on fait un exercice où je prononce des mots et vous devez choisir le mot que j'ai prononcé. Donc ici, effectivement, c'était B, c'était peur. Hein. Donc toujours la même distinction entre le E et le E. Donc le premier A, c'est « père ». Et le deuxième, c'est peur, d'accord? Père, ouvert, peur, le B. Allez, on continue avec le quatrième. Alors le quatrième, eh bien, regardons ensemble. Attention, je le prononce une seule fois, d'accord? Serre. Alors, Julia, c'est comme j'ai expliqué que c'était comme vous voulez. Soit vous écrivez le mot, soit vous écrivez la lettre. C'est comme vous voulez. Alors, Moutsa nous rejoint. Je suis en retard. Ça n'est pas grave, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Alors, on est d'accord ici qu'effectivement, c'était le premier, ou le A, si vous préférez. Donc, je vais bien les prononcer pour que ce soit clair. C'est toujours la même distinction. Hein. Le premier, bien ouvert, E, serre. Et le deuxième, E, sœur. Serre, sœur. Allez, le dernier pour cette série. Regardez. Et, eh bien, écoutez... Heure. Alors oui, hein, ça a l'air d'être assez clair. Donc effectivement, c'était le B ici. Encore une fois, donc, on va faire la distinction entre les deux. Le premier, très ouvert, comme ceux que nous avons eu précédemment. R, R. Le deuxième, heure. D'accord? R, ouvert, heure. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. À vous la parole, à vous la parole. On a parlé du ketchup avec effectivement ce drame terrible avec les pommes de terre. Et la question, c'est une question très simple. Est-ce que vous aimez la moutarde et pourquoi? Oui ou non? Et vous argumentez bien évidemment une phrase, s'il vous plaît. Thank you.
Alors bien sûr, j'attends avec grande impatience vos réponses. Et c'est Moutsa qui commence directement et qui dit non parce que ça a un goût bizarre. Ah, c'est vrai que si on n'est pas habitué à la moutarde, c'est assez spécial. Hein. J'imagine que ça n'est pas facile à goûter peut-être ou à apprécier si on n'est pas habitué. Alors Gloria qui dit « J'aime la moutarde parce qu'elle sent bon ». Felipe qui dit « Non, je n'aime pas beaucoup la moutarde parce que je n'aime pas le goût ». Luis Corredo Junior qui dit « Non, 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 non !» Le traumatisme d'une personne qui a mangé de la moutarde qui a dit « Non ». Luis Corredo, please try to be nice, okay? Don't use some bad words because I mean otherwise I will have to block you and I don't really want that. Yossi, oui j'aime la moutarde. Nous achetons toujours de la moutarde de Dijon. Julia qui nous dit non je n'aime pas la mayonnaise. Mais c'est pas de la mayonnaise, Julia, c'est de la moutarde. C'est la moutarde, ça n'est pas de la mayonnaise. C'est complètement différent. Et c'est vrai que la mayonnaise est un peu grasse. Nafis qui nous dit non parce que c'est très sucré. Alors Nafis, peut-être qu'il faudrait goûter la moutarde de Dijon. La moutarde de Dijon, elle est forte. Hein. Ashwati, qu'est-ce que c'est? C'est de la moutarde. Ashwati, ce sera l'occasion de découvrir si vous ne connaissez pas. Luciana, oui, j'aime la moutarde. Elle donne une saveur spéciale à plusieurs plats. Merco Yalman qui dit « J'aime la moutarde » car elle ajoute du contraste au goût des aliments. Moi, je suis d'accord avec vous, Merco Yalman. Je suis Lani, je n'aime pas la moutarde parce que c'est épicé. Bah oui. Alors Carolina qui nous dit « Oui » par le goûter qu'il donne, le goût qu'il donne à notre aliment. Sorry for the mistakes. Don't worry, Carolina. The idea is to really, really try. Make some mistakes. I mean, everybody is making mistakes, so no worries at all. And you will see, the more you practice, the less mistake you will make. It's totally normal. Allez, Carolina, on y va. Cosmina, oui, j'aime la moutarde, mais la moutarde ne me monte pas au nez. Et la moutarde de Dijon, la vraie. Je ne parle pas de la moutarde qu'on exporte. La moutarde qu'on a à Dijon. Non, moi j'ai pleuré avec de la moutarde. Benter, non, ce n'est pas trop chez nous, donc il n'y a pas beaucoup chez nous. Roman, pour être honnête, je n'ai pas encore testé, donc je ne sais pas. Hilary, oui, j'aime la moutarde parce que c'est bon avec un sandwich. Oh, et un hot dog, oh oui, oh oui, oui, oui. Incroyable, simple mais bon. Cassandra, non, je n'aime pas la saveur de la moutarde, c'est étrange. Stardust, j'adore la moutarde, j'ai une collection dans mon frigo, du sucré au granuleux. La moutarde à l'ancienne, eh oui, elle est comme ça, très épicée. Je trouve la moutarde raffinée dans de nombreux plats. Cherylyn, uniquement si elle est infusée à la truffe. Cherylyn a des goûts spéciaux quand même, hein, uniquement de la moutarde à la truffe et utilisée dans une recette très spécifique. Denora, j'adore la moutarde, je ne sais pas, mais je peux manger de la moutarde tout le temps, oui. Quand j'étais jeune, je pouvais en manger aussi sur du pain comme ça. Victoria Possé, je l'aime, mais uniquement pour le parfum, une sauce moutarde à la viande. Ah ça, c'est pas mal, ouais. Vous pouvez utiliser aussi dans les sauces vinaigrettes, vous mettez un petit peu de moutarde, c'est délicieux. Méditator, non, je n'aime pas la moutarde parce qu'elle est amère. Fatima qui dit, j'aime la moutarde et la sauce à la moutarde. Olga, oui, j'aime la moutarde, très bien. Sundar, oui, j'aime la moutarde parce qu'on récolte beaucoup pour mélanger avec des légumes, d'accord. Julia qui nous dit, ah, la moutarde, bah oui. Parfois ça va, mais je ne peux pas dire que je l'aime. Victoria Jacques, je suis allé chercher cette moutarde juste à cause de vous. Et alors? Alors, quand vous l'achetez, la version exportée, elle est pas très 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 forte, mais elle est intéressante. Sophia X, j'aime la moutarde beaucoup pour faire de la vinaigrette. Oui, alors ça, on appelle ça une sauce moutarde. Vous faites la base de la vinaigrette et hop, un petit peu de moutarde,
Et là, vous avez des échalotes coupées, si vous voulez. Ah oui, je pourrais parler de cuisine. Ice Cubes qui dit moutarde. Oh, Ice Cubes n'aime pas la moutarde. Alors, les pronoms, on avait commencé hier avec les pronoms. Donc ça, c'est plus facile peut-être que la moutarde hein, pour Ice Cubes. Les pronoms, un petit peu de grammaire, on se recentre. Allez, on attaque. Je pensais qu'on aurait pu travailler sur la structure parler à, donc avec, encore une fois, complément d'objet indirect, hein, on est d'accord. Et puis, je voudrais que ce soit, bien sûr, au passé composé. Souvenez-vous, la structure avec le passé composé, les temps composés, et puis les pronoms, c'est toujours un petit peu olé olé. Donc, on va commencer avec le premier, et bien sûr, passé composé, forme négative, allez-y s'il vous plaît. Sophia X qui dit la marque Maille, c'est la meilleure. Ben, elle est classique. Il y a d'autres marques, hein. Amora, c'est pas mal aussi. Ça dépend, mais Maille, c'est traditionnel, on va dire. C'est classique, oui. Alors, ouais, faites attention, Cosmina, l'idée, c'était d'utiliser les pronoms COI. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'utiliser la structure que vous avez mise. Romain, c'est pareil. Faites attention, regardez. On fait la première, après, ce sera clair pour le reste. Donc, l'idée, bien sûr, comme je vous l'ai demandé, c'est de structurer au passé composé. Donc, il a parlé. Base. D'accord. Après ça, j'aimerais que vous mettiez le pronom « me ». Il me a parlé. Le « e » doit disparaître et vous mettez l'apostrophe. Il m'a parlé. Maintenant, la question, c'est comment vous positionnez la négation. Souvenez-vous, on va mettre la première partie de la négation avant le pronom. Le pronom et le verbe, on n'y touche pas. Il ne m'a, ça on n'y touche pas, et vous mettez votre pas juste après. Et vous finissez avec votre participe passé parlé. Il ne m'a pas parlé. D'accord ? Alors, l'idée, c'est que bien sûr, on va répéter. C'est un exercice systématique. Ce sera toujours la même chose, mais vous allez changer les pronoms. D'accord ? Comme ça, vous allez bien comprendre comment ça marche. Allez, on y va. Deuxième personne du singulier, s'il vous plaît. He didn't talk to you. Même structure, le pronom change, allez-y. Alors, regardons ça ensemble. Regardons. Eh bien, on garde la même structure. Hein. C'est la même structure, passé composé, je vous avais demandé. Forme négative, donc il, ne. Ici, on devrait mettre le te, mais effectivement, on va mettre l'apostrophe, t apostrophe. Il, attendez, je dois cliquer sur Olga, voilà. Il ne, t apostrophe, a pas parlé. Il ne t'a pas parlé.
D'accord? On avait « il ne m'a pas parlé »,« il ne t'a pas parlé ». On va continuer logiquement avec le troisième. Troisième personne du singulier, ici ce serait le féminin. Allez-y. Alors, oui, très très bien. Souvenons-nous, oui, c'est vrai, Scubs, elle aime bien les, elle aime bien les cordes. Souvenons-nous ici que, eh bien, le pronom complément d'objet direct à la troisième personne du singulier, masculin ou féminin, ce sera toujours, toujours lui. D'accord ? Il ne lui a pas parler. Faites attention, Julia, c'est pas parler à l'infinitif, hein, parce que c'est un passé composé, donc c'est parler, le participe passé, accent aigu. Il ne lui a pas parlé. Donc logiquement, regardons ça ensemble. Le quatrième, eh bien, c'est la même chose au masculin. Allez-y, s'il vous plaît, c'est une formalité. Alors oui, hein, nous sommes d'accord. Bon, je m'excuse de vous demander de répéter les choses, mais au moins comme ça, c'est quand même relativement clair. Nous sommes d'accord encore une fois que précédemment, nous avions le féminin. Maintenant, c'est le masculin. Ce sera le même pronom. Il ne lui a pas parlé. Allez, on continue avec logiquement cinquième, eh bien la première personne du pluriel. Allez-y. Alors oui, effectivement, hein, donc là encore une fois, c'est uniquement le pronom qui va changer. Et donc votre pronom c'est « nous », hein, donc souvenez-vous, on a eu « me », on a eu « te » et on a eu « lui ». Maintenant, on a « nous » comme pronom pour la première personne du pluriel. « Il ne nous a pas parler. Il ne nous a pas parlé. On continue. Sixième, logiquement, deuxième personne du pluriel. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe, Julia? Julia, elle écrit plus maintenant. Julia, elle envoie juste des petits personnages. Alors, Alma qui nous rejoint. Bonjour, Alma. Défego aussi. Bonjour, bonjour. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît. Merci d'avance. Alors, oui. Hein, et là encore, on reste dans la même logique. Et la même logique, c'est tout simplement de changer le pronom. Donc, il ne vous a pas parlé. Il ne vous a pas parlé. Voilà, c'est la forme. Logiquement, on continue, bien évidemment, avec le pluriel. Troisième personne du pluriel, s'il vous plaît, allez-y. «
Eh ben voilà, effectivement, voilà, voilà, donc c'est très très clair. Regardez, il ne leur a pas parlé. Donc, on récapitule. Souvenez-vous pour les pronoms, pronoms complément d'objet indirect, puisque là, on travaillait uniquement là-dessus. Me, te, lui. Souvenez-vous, lui pour le masculin et pour le féminin. Nous, vous, leur. D'accord ? Il ne m'a pas parlé. Il ne t'a pas parlé. Il ne lui a pas parlé. Il ne nous a pas parlé. Il ne vous a pas parlé. Il ne leur a pas parlé. Voilà, c'était le petit exercice de pronom pour aujourd'hui. Allez, on continue avec dictée et citation. Donc au niveau intermédiaire, on fait des citations. Et aujourd'hui, eh bien, j'avais... Attendez, je regarde. Oui, je ne vais pas faire d'erreur. Je ne vais pas faire d'erreur. Je dois juste la trouver. Où es-tu, petite citation ? Et la voici. Alors, comme la chanson que je vous avais proposée, c'était... comment est-ce que c'était ? C'était la chanson de Françoise Hardy, oui. Comment vous dire adieu ? Eh bien, le concept pour ces citations, c'est les adieux ou adieu. On y va. Attention, je vais la lire deux fois. Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Faites attention, Yossi, ça n'était pas Dieu, mais c'est adieu. On parle des adieux. Vous savez, les adieux sont les au revoir, mais on ne se revoit pas finalement. Hein. C'est ça le concept. Faites attention ici. Donc, toute la misère, misère étant féminin, toute doit être au féminin, T-O-U-T-E. Ensuite, la misère, idéalement, avec un accent grave sur le premier E. Du monde, ça c'est relativement facile je pense, n'oubliez pas de mettre un E à la fin de monde. Yulia, vous avez oublié le E, Romando aussi, faites bien attention. N'est rien, donc là c'était eh bien, le verbe être avec la négation, donc n'est, N'est, rien, R-I-E-N, à côté d'un adieu. Et vous avez vu que je fais la connexion entre les deux, d'un adieu, d'un adieu. Ça, c'est difficile à entendre parce qu'il n'y a pas de pause finalement. Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu. D'un adieu, hein, vous voyez bien, pas de pause entre les deux. Allez, on y va pour la deuxième. Alors, deuxième chose, une petite seconde, voilà. C'est un petit peu plus long, et ça, c'est ce que Ice Cubes préfère, les paragraphes. Allez, on y va. On passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent, virgule, jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent.
On passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent, virgule, jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent. Allez-y. Alors, regardons ensemble. Je l'aime bien celle-là d'ailleurs. Hein. On passe, le verbe s'est passé. Passé ici, troisième personne du singulier. Donc, P-A-S-S-E. Sa vie, ça normalement, ça n'est pas difficile. À dire, donc là c'est la préposition, donc avec l'accent. Dire, D-I-R-E, c'est l'infinitif. Adieu à ceux. Alors attendez, je regarde. J'ai l'impression que beaucoup de personnes me détestent sur celle-là. J'ai perdu. J'ai perdu du monde. Ce, C-E-U-X. Qui partent. Et ici, c'est le verbe partir qui doit être conjugué. C'est bien la troisième personne du pluriel. P-A-R-T-E-N-T. Jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent. Et ici, reste doit être à la troisième personne du pluriel. Alors, R-E-S-T-E-N-T. Edley qui veut savoir qu'est-ce que c'est. C'est un jus d'orange, Edley. C'est un jus d'orange. Alors voilà, pour des vitamines, pour avoir de l'énergie. C'était un peu difficile celle-là. Hein. Numéro 3. Alors attendez, je regarde. C'est plus court. Mieux vaut dire adieu quand on a des chances d'être regretté. Mieux vaut dire adieu quand on a des chances d'être regretté. Allez-y. Alors, Mélissa Madrid nous rejoint. Coucou, coucou. Alors, ça commence à arriver. Et regardez la structure ici. C'est mieux vaut, souvenez-vous, c'est le verbe valoir, qu'on va conjuguer à la troisième personne. V-A-U-T. Mieux vaut dire adieu. Quand effectivement vous allez attendez, je clique sur Cassandra, vous allez tout simplement le mettre Q-U-A-N-D. On a des chances, pluriel, ouais. Faites attention Luciana, des chances, hein, c'était des chances, donc D-E-S, et puis après chance avec un S à la fin, d'être regretté. Et ici c'est la forme passive, hein, c'est-à-dire être regretté par les autres. Voilà, mieux vaut dire adieu quand on a des chances d'être regretté. Ça, c'est une drôle de notion, mais bon. Numéro 4, alors attendez, voilà. Dès aujourd'hui, virgule, je prends une nouvelle vie et un nouveau départ, virgule, adieu le passé. Dès aujourd'hui, virgule,
Je prends une nouvelle vie et un nouveau départ, virgule, adieu le passé. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, je regarde, c'est Cheryline qui est la première. Dès aujourd'hui, je prends une nouvelle vie et un nouveau départ. Adieu le passé. Eh bien, c'est très très bien. Je regarde ensuite, alors attendez, Hillary, une nouvelle vie. Ouais, vous avez oublié le nouveau départ. Melissa Madrid, une nouvelle vie, nouveau départ. Ouais, Ice Cubes, ben c'est bien, je regarde. Pour l'instant, c'est bien, Stardust a des problèmes de connexion, ça n'est pas grave. Tout à l'heure, c'était moi. Enfin, j'avais mal appuyé sur le seul bouton que j'ai, bien sûr. Alors, dès aujourd'hui, souvenez-vous que dès, c'est avec un accent grave si vous l'avez sur votre clavier. Je prends une nouvelle vie et un nouveau départ. Donc, vous avez ici nouvelle forme féminine, parce que vie, c'est féminin. Nouveau forme masculine parce que départ c'est masculin. Adieu le passé. Ça j'aime bien celle-là. Celle-là je l'aime bien je dois dire. Cinquième s'il vous plaît. On y va. Attention, elle est un petit peu plus longue mais c'est la dernière donc ça va. Attendez. Je vais juste la changer un tout petit peu. Comme ça, ce sera plus simple, parce que sinon, ça va être un petit peu... Oui, on y va. J'ai observé qu'on se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais. J'ai observé qu'on se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais. Allez-y. Alors, je vois que vous êtes 90, c'est très très flatteur, ça c'est clair. Mais, ce serait encore plus flatteur si les gens cliquaient sur le like. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le like, faites-le tout de suite. S'il vous plaît, mon objectif personnel, c'est d'atteindre les 100 likes. Merci beaucoup. Alors, je regarde, et je crois qu'Ice Cubes est la première. C'est la première, elle est en forme. Peut-être que c'est les petits verres de vin rouge que vous avez mis, Ice Cubes. Hein. Hop, 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 et après, elle est très efficace. Alors, regardons ensemble. J'ai observé qu'on se dit, donc ici, Q'ON, se dit, donc c'est effectivement la forme hein, qui est pronominale, se et dit, troisième personne, du singulier, D-I-T. Donc j'ai observé, attention Hillary, c'était passé composé, hein, j'ai observé avec l'accent aigu, parce que c'est le participe passé, la deuxième partie. Quand on espère, ici c'est le verbe espérer, conjugué bien sûr à la troisième personne du singulier, on, vous allez finir avec le E, idéalement, petit accent grave sur le premier, sur le deuxième E, espé, accent grave. Bien qu'on ne se reverra,
c'est le verbe revoir, c'est le verbe revoir au futur simple. Souvenez-vous, hein, voir, la structure, enfin, la racine, ça va être ver pour le futur. Donc, ver, je verrai, tu verras, il verra. Ici, c'est le verbe revoir, la même chose. Je reverrai, tu reverras, il, elle reverra. Ici, c'est on, troisième personne du singulier. On reverra, on ne se reverra jamais. J'ai observé qu'on se dit au revoir quand on espère bien qu'on ne se reverra jamais. Sacha Guitry, c'était quelqu'un d'assez important en France, comme scénariste et cinéaste, et aussi comme il a fait des pièces de théâtre, et après il a fait beaucoup de films. Et il y a vraiment des films que j'aime beaucoup de Sacha Guitry. C'est en noir et blanc, mais c'est formidable à mon avis. Edley, non, ce n'est pas une... Non, c'est un costume. C'est tout simplement un costume, monsieur. Une chemise blanche avec une veste. Allez, le classique maintenant, trouver un mot, pas deux, pas trois, juste un par personne, sinon ça peut durer un petit peu longtemps. Allez, s'il vous plaît, trouvez un mot qui commence par CA, allez-y. Il y a aussi qui dit, on dit aussi comment ça va sans écouter la réponse. C'est vrai qu'il y en a pas mal comme ça. Alors, Sophia X qui propose carrier, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous parlez pour les dents, peut-être? Stardust qui nous dit un cahier, très bien. Ice Cubes qui nous dit capturer. Ah ben oui, tout à l'heure, vous avez parlé de capturer des images. Mercurial qui nous dit car, très bien. Julia qui nous dit cacahuète, effectivement, et c'est féminin. Une cacahuète. Hillary qui nous dit calme, très bien. Alors faites attention, Hillary, le masculin c'est aussi avec E, d'accord? Donc Hillary, souvenez-vous, masculin, féminin, la même forme, c'est A-L-M-E, d'accord? George qui nous dit calme aussi, très bien. Gloria, calamar, oh, ça c'est délicieux. Alors ça, les calamars, j'adore les calamar, Gloria, c'est délicieux. Mélissa Madrid, une cave. Je suis Lani Carrefour. Alors oui, le Carrefour, hein, le Carrefour qui est une intersection. Hein, ça n'est pas là les supermarchés, bien sûr. Benter qui nous dit captif, très bien, féminin captive. Felipe qui nous dit calme, même chose Felipe, hein, calme, une seule forme. Cristal, bonjour, comment ça va Cristal, participez. Vouslat, un cambriolage. Sundar, caché. Roman, car. Olga, caissier, très bien. Yossi, un cavalier. Denora qui nous dit ça. Allez, je l'accepte, je l'accepte. Cassandra qui nous dit un cadeau. Luciana cassé. Victoria Possé, une capsule. Ça c'est intéressant. Oui, une capsule. Et le verbe, vous savez, quand vous faites shoot comme ça pour enlever la capsule, c'est décapsuler. Décapsuler, c'est le verbe qu'on utilise. Alma, une carrière, chérie. Qu'est-ce que c'est? Carbapénémase. Qu'est-ce que... Oh, Chériline, qu'est-ce que c'est, carbapénémase? Je ne sais pas. Felipe qui nous dit cassé. Alma qui nous... Amla, pardon, qui nous dit cavalier. Très bien, masculin. Sophia, une carrière. Julia, qu'est-ce qu'on fait avec des calamars?
calamars, vous prenez des calamars frais, vous les coupez en petites lamelles, vous les faites cuire comme ça. Après, vous pouvez manger avec n'importe quoi, c'est délicieux. Ensuite, Gloria, virtuel calamar de Californie. Ça, c'est de la torture, Gloria. C'est de la torture! C'est de la torture! Il y a des conventions. Souvenez-vous, la convention de Genève, il n'y a pas de torture, on n'a pas le droit. Denora, d'accord. Meditator Cartier, un quartier. Faites attention, Cartier, ça, c'est une marque. Le quartier où vous habitez, c'est avec Q-U-A-R-T-I-E-R. Felipe, cheval et cuisine. Allez, s'il vous plaît, S-O, on y va. Bon, alors Sophia X qui nous dit le calamar grillé c'est le meilleur. Bah oui, il faut arrêter. On arrête de parler de nourriture, on va avoir faim. Tout le monde va avoir faim, c'est de la torture. Denora, la solitude effectivement. Meditator, sortir, très bien. Roman qui nous dit social. Julia qui dit je vais les préparer avec vous après le son. Mais regardez ce que vous mettez avec, c'est mais à la poêle, hein, clairement sur une poêle. Hein. Luciana Moribé, solitude, la solitude. Ah oui, vous l'avez là aussi. Hilary, le solitaire. Vouslat, une sottise. Julia, sophistiqué, d'accord. Renato, cordon bleu. Peut-être qu'on est déconnecté, Renato. Venter qui nous dit sombrer, Stardust, un sondage. Victoria Posse, soigné, très bien. Yossi, sombre. Georges qui nous dit socialisme. Alors masculin, les mots en isme, hein, I-S-M-E, sont masculins. Socialisme, capitalisme, libéralisme, etc. Sundar, sociaux. Svetlana, catégorie. Svetlana, rafraîchissez. On n'est pas synchronisé, Svetlana. Felipe, souris. Oui. Cassandra, sommeil. Ah, ça, c'est important. Hamla, shrimps avec farine. On arrête avec la nourriture. C'est pas mal aussi. C'est vrai. Dans la farine, peut-être un petit peu d'œuf aussi pour que ça tienne. Mathilde, soleil. Mélicia Madrid, sol. Amélia, soleil. Gloria, souffle, le souffle. Olga Ruiz, société. Mercurialman, souhaité. Verbe régulier. Amla, solitaire. Paras. Hi, Paras. Paras Mayoka, est-ce que c'est comme ça? Amla, solitude. Je suis l'ani, solidité. Très bien. Cherylide, somatotropine. Il faut mettre la définition, Cherylide. Entre parenthèses, il faut faire une définition. C'est de la torture, ça aussi. Stella, la solution. La solution. Renato, sympathique. Attention, Renato, sympathique. Difficilement négociable. Normalement, c'était S.O. La souvenir. Paras, I am from India. Bonjour, bonjour. This lesson is in French, Paras Mayoka. If you want to have the lesson in English and in French, it will be on Monday, exactly at the same time, same place. Soukania qui nous dit bonjour. Ice Cube, sourire. Oh, un sourire incroyable. Et Svetlana qui nous dit solution, c'est féminin, merci. Allez, s'il vous plaît, un mot avec fi. «
Alors, Yulia qui demande, Cosmina n'est pas avec nous aujourd'hui. Si, si, elle était avec nous tout à l'heure. Peut-être qu'elle est partie faire quelque chose. Les gens ont une vie. Alors, passant qui nous dit, une fille, effectivement. Marcina. Sourire. Ah, Marcina, c'était pour avant. D'accord. Felipe, une fille aussi. Meditator, finir. Denora qui nous dit la fidélité. Svetlana qui nous dit finalement. Mélissa Madrid, une figure. Parfait. Yossi qui dit une finlandaise. Gloria qui dit une figure. Ice Cubes qui dit la Finlande. Attention, Finlande avec un E à la fin en français. Mercurialman qui dit la finale, Soukania qui dit finalement, adverbe, Roman qui dit fier, très bien, donc ça c'est la forme féminine, hein. Le masculin de cet adjectif, Roman c'est F-I-E-R, d'accord, F-I-E-R masculin, F-I-E-R-E féminin. Vous slat un fiacre, oui, Sophia X fidèle, propose 5 à finir, Victoria Possé fidèle aussi, George Hodson, un fils. Hillary qui dit flamboyant. Il est sympathique, hein, cet adjectif. Flamboyant, moi je l'aime bien. Widad, une fille. Sundar, finir. Benter qui nous dit fidélité. Yesero qui dit une fiche. Luciana, la fidélité. Je suis Lani, la fiabilité. Victoria Thomas, finir. Felipe qui nous dit un film. Très bien. Julia qui nous dit finalement, adverbe. Stella qui dit la fidélité aussi. Je regarde. Soukania qui nous dit une fiche. Svetlana, fiscale. Ensuite, Abla qui dit filiale. Et Olga Ruiz qui dit finlandais, finlandaise. Merci. Si vous n'avez pas cliqué, s'il vous plaît, on va essayer. On est à 86 likes. On peut probablement atteindre les 100 si tout le monde se mobilise. Cliquez sur le like si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît. Allez, trouvez un verbe. On avait commencé cet exercice hier et on va le finir aujourd'hui si vous voulez bien. S'il vous plaît, trouvez un verbe qui est lié eh bien, à cette image. Allez-y. Alors, Soukania qui est en première position et qui nous dit balayer. Ouais. Hillary qui nous dit nettoyer. Luciana nettoyer aussi. Alors, faites attention, Sundar. Nettoyage n'existe pas. C'est nettoyer. Stella nettoyer ou balayer. Très bien. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Cheryline qui revient avec ses. C'est ça, il faut faire des définitions, Cheryline. Sinon, il y a une frustration. La frustration de la personne qui veut découvrir de nouvelles choses. Alors, la somatotropine, c'est une hormone sécrétée par l'hypophyse impliquée dans la croissance, également connue sous le nom d'hormone de croissance. Il y a eu des scandales, hein, avec les hormones de croissance en France dans les années 90. Il y a des histoires un peu bizarres. Alors, un verbe lié à cette image qui est un petit peu bizarre, mais essayez de trouver un verbe, s'il vous plaît.
Alors, Yossi qui commence en nous disant se reposer. Mélissa qui nous dit cauchemar. Faites attention, l'idée. Alors, soit vous dites cauchemarder ou alors faire un cauchemar. En général, on utilise plutôt faire un cauchemar. Alors, Soukania qui nous dit rêver. Oui, c'est possible aussi. Mercoyal qui dit craindre. Ça, c'est pas mal. Stardust, attention, cauchemar, c'est un substantif. Ça n'est pas un verbe. Yulia qui nous dit terrifier. Ouais. Victoria Possé, c'est la même chose. Faire un cauchemar, là je pourrais l'accepter joyeusement. Yesero, c'est la même chose. Avoir peur, hein. Peur, c'est un substantif, c'est un nom. Donc avoir peur, là je pourrais effectivement l'accepter. Vouslat qui dit s'endormir. Ensuite, Hillary effrayée, oui. Sophia X, rêve traumatique, oui. Faire un rêve traumatique, hein, si on voulait faire un, ou traumatisant, on pourrait dire. Luciana, faire un cauchemar. Et Monica, rêver, passant que dormir, oui. Allez, on continue avec le troisième. Si vous voulez bien, Gloria Calamar. Ça, il faut arrêter. Ah, il faut arrêter avec le calamar. Moi, je traverse la rue, je vais acheter des calamars. C'est direct. C'est direct. Après le cours, et peut-être que j'arrêterai le cours plus tôt pour manger des calamars. S'il vous plaît, trouvez un verbe. Alors, Méditator qui nous dit chanter, Amla téléporter, je ne sais pas si c'est pour celui-là ou l'autre, Yossi présenter, Denora lecturer n'existe pas, faire un cours, faire une présentation, faites attention avec le mot lecture, une lecture ça n'est pas un cours, hein. c'est deux choses complètement différentes, une lecture c'est l'action de lire, Yulia lire. Oui, ah ben si, il lit peut-être sur son écran, oui. Hillary Frimé. Ah, vous pensez qu'il est un petit peu comme ça. C'est moi le chef. Soukania, donner une parole, si vous voulez. Un discours, peut-être. Hein. Faire un discours. Monica, vous êtes sur l'autre. Georges, captivé. Mercurialman, escroc. Alors, escroc, Mercurialman, c'est un substantif. Si vous voulez le verbe, eh bien, le verbe, c'est escroquer. Escroquer, ça existe. Hein. Roman, faire campagne, infinitif. Yesero, faire un discours. Sophia, présentation. Faire une présentation. Victoria, proposer. Présenter, Mélissa Madrid, prononcer un discours, très bien. Benter qui nous dit adresser, oui, s'adresser à la foule peut-être. Olga qui dit il fait la vaisselle. Oh non, Olga, non. C'est difficile de négocier pour celui-là. C'est un petit peu loin du dessin. Ensuite, alors attendez, je regarde. Diriger, c'est bien. Victoria Thomas, discuter, débattre, argumenter. Cherylyn, ennuyer, probablement. Quelques gens qui dorment dans le fond. Et puis, Svetlana, dépasser et endormir aussi, Cherylyn, effectivement. Numéro 4, s'il vous plaît, un verbe. Toujours un verbe. Alors, je suis Lani qui est en première position et qui nous dit voyager, effectivement. Denora qui nous dit décider. Soukania qui nous dit voyager aussi. Victoria Ja qui nous dit parler, c'est vrai. Sundar, voyager. Ah, c'est vrai que c'est très très populaire. Tout le monde veut voyager. Tout le monde espère voyager. Yulia, découvrir. Attention. IR, c'est le verbe. Hein. Romain de voyager. Vouslad, voyager. Amla, chanter.
Est-ce que vous, peut-être que les gens chantent « Nous sommes à Paris ». Alors, ensuite, « Sad sandwich ». Oh, you should not be sad. « Being a sandwich is a happy thing, I think. » Stardust, voyager. Luciana, voyager. Cassandra, lire. Yesero, Yesero, hâté de voir, oui, ou se hâter de voir, très bien. Victoria Posse, demander. Mercurialman, quitter, ouais. Alors attendez, Sophia X, chercher, Georges, imaginer, très bien, Cassandra, discuter, Svetlana, voyager aussi, Felipe, découvrir, Cheryline, se perdre, ensuite, Olga, il est perdu à Paris, effectivement. Allez, le dernier, c'est le dernier verbe, allez-y s'il vous plaît. Aussi, on va voir. On commence déjà avec les lettres de départ, c'est déjà pas mal. Alors, je suis Lani qui nous dit randonnée, effectivement, c'est pas mal ça. Sundar, regarder. Amelia, explorer. Denora, être en désaccord, c'est possible. Julia qui nous dit boire. Amla, poser une question. Hein, poser une question, pas vraiment faire, mais poser une question. Gloria, rencontre de randonnée, oui, mais non, c'est pas vraiment un verbe. Rencontrer quelqu'un ou randonner, je ne sais pas. Soukania, regarder un beau paysage, faites attention, c'est beau. Quand c'est esthétique, c'est beau, B-E-A-U. Vouslat, regardez. Luciana, randonnée. Mercurialman, trouver. Sophia X, reposer. Georges, observer. Très bien. Yesero, sentir les fleurs. Oui, attention, pas de E à fleurs à la fin. Roman, se perdre peut-être. Yossi, observer. Passant, boire. Très bien. Stardust, se perdre. Infinitif. Victoria Jacques, découvrir. Ouais. Cassandra, chercher. Très bien. Et puis, observer pour Victoria Posse. Méditateur, apprendre. Propos 5, faire du hiking. En français, c'est de la randonnée, propos 5. Faire de la randonnée. Svetlana, ouais, infinitif, se perdre, Svetlana. Et puis Amla, montagnier, ça n'existe pas vraiment un montagnier. Victoria Thomas, étonné. Merci beaucoup. Alors, il manque 7 clics pour arriver à 100 likes. C'est possible, je crois en vous. Si vous n'avez pas encore cliqué, allez-y, s'il vous plaît. Juste pour faire plaisir à Audrey Tautou, par exemple. Allez, le mot du jour, s'il vous plaît, un mot pour résumer votre journée. S'il vous plaît, un seul mot, pas deux, pas trois, un mot. Ça peut être un verbe, ça peut être un adverbe, ça peut être un adjectif ou un substantif. Allez-y. Alors,
Soukania qui commence et qui nous dit fatigante. Eh oui, parfois c'est difficile. Stella, oh, qui nous dit une journée sportive. Qu'est-ce qu'elle a fait, Stella? Est-ce qu'elle a été à l'extérieur pour courir? Peut-être, on ne sait pas. Yesero, catastrophe. Qu'est-ce qui se passe, Yesero? J'espère que ça va quand même. Hein. Julia qui nous dit randonnée. Eh oui, c'est quelqu'un qui aime bien marcher. Olga, extraordinaire. Ah bah là, difficile à battre. Felipe, apprentissage. Ça, c'est bien. Victoria Thomas, dangereux. Qu'est-ce qui se passe, Victoria? J'espère que tout va bien quand même. Sophia X, hésitante. J'y vais ou j'y vais pas? Le classique, qu'est-ce que je fais? Je le fais ou je ne le fais pas? Vous cela de calme. Restez ou reposante peut-être pour Pubg Lover. Hillary qui nous dit une pause. C'est bien des fois, il faut dire, allez, on fait une pause et on réfléchit. Yossi qui nous dit devoir, c'est bien aussi. Denora, remonter le moral à quelqu'un peut-être. Benter, relaxant, très bien. Ensuite, Mercurial Man, décisif. Waouh! Ah ça, ça fait peur. Hein. Ça, ça fait très très peur. Georges qui nous dit optimiste. Ça, c'est formidable. Gloria qui nous dit cocon. Gloria, elle est restée à la maison, peut-être dans son lit, sous la couette. Eh ben voilà. Méditateur heureux. Passant qui nous dit apprendre. Ça, c'est bien. Stardust, heureux. Eh ben voilà. La vie est belle quand même. Luciana, debout. Roman qui nous dit innovation. Waouh! Alors là, je dis bravo. Victoria qui nous dit super. Victoria Possé. Alors là, ça fait plaisir, Victoria Possé. On avait peur. On se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Victoria Jacques qui dit fin. Moi aussi. On a parlé des calamars et depuis, c'est resté là. Je pense aux calamars inconsciemment. Et j'ai faim. Svetlana, oh merveilleuse Svetlana, c'est formidable. Gloria qui dit non, 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 dans le cocon, mais hors du lit. Oh pourquoi? C'est sympathique des fois. Une journée au lit, tranquille. Victoria qui dit oh, sur le point de se faire cambrioler. Ben, faites attention, Victoria, il faut tout fermer. Hein. Alors, préordonné qui nous dit Cheryline. Et Amla qui nous dit prière. Merci beaucoup. N'oubliez pas de cliquer, il manque juste 3 clics pour avoir les 100 likes. Allez, s'il vous plaît. Et oui, une musique comme ça pour introduire, bien sûr, eh bien, la dictée de nombres. La dictée de nombres, je crois qu'on l'avait, je sais pas si on l'a faite hier, je crois qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Allez, on attaque, c'est niveau intermédiaire, donc je ne vais lire qu'une seule fois les chiffres ou les nombres. On commence avec le chiffre, et ici, c'est le chiffre 8. Écrivez-le, s'il vous plaît. Oui, oui, Gloria, Beethoven. Bah, Beethoven, c'est plutôt pour les exercices très lourds, hein, comme ça. Alors effectivement, c'était 8. Là, pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. On continue numéro 2, ben comme d'habitude, avec 2 chiffres. 2 chiffres, je ne vais lire ce nombre qu'une seule fois. Soyez concentrés, 27. Thank you.
Alors, oui, très bien, c'est 27, 27. Donc là, pour le moment, tout le monde a donné la bonne réponse et je dis bravo. 2 clics sur les likes, s'il vous plaît, 2 et on arrive à 100. Un homme heureux après. Allez, numéro 3. Et le numéro 3, comme d'habitude, 3 chiffres. Et on va toujours rester avec Beethoven. Et attention, 101. Allez-y. Alors, excusez-moi, je me suis hydraté un tout petit peu. Effectivement, faites attention, Yossi, vous n'avez pas entendu peut-être le 100, vous avez entendu 500, mais en fait, c'était 101. Allez, on continue, quatrième. Donc, bien évidemment, c'est 4 chiffres. 4 chiffres, une seule lecture. Attention, 2777. Alors, je regarde. Et là, c'est un petit peu plus complexe, j'ai l'impression. Regardez, 2000. Donc ça, c'était clair pour tout le monde. 700, ça a l'air d'être à peu près clair pour tout le monde. Edgley, c'était un petit peu... Mais pas très très loin, Edgley. Hé, hey, Edgley, continuez. Ça va marcher, ok? Donc, 700. Et après, c'était 77. 2777. 2777. Allez, on continue. Cinquième, ça veut dire bien sûr 5 chiffres. Une seule lecture. 25006. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous sentez la puissance de la musique qui vous pousse à bien écrire ces nombres? En tout cas, c'est bien, félicitations. Regardez, donc 25 000, et là, la difficulté, c'était 6. Effectivement, je ne prononce pas les zéros, donc 2, 5, 0, 0, 6, 25 000. 6. Allez, on continue avec 6 chiffres, si vous voulez bien. Et si vous ne voulez pas, eh bien ce sera difficile parce que on va quand même les faire. Attention, une seule lecture. Concentrez-vous. 372 885. Allez-y. Alors, je regarde. Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc, 372, première partie. 1000, bien évidemment. 885. 372 000.
885 372 885. Et on termine avec le dernier. Et le dernier, bien évidemment, c'est les millions. Attention, une seule lecture. 4 190 812. Allez-y. Alors, regardons, ouais, ça a l'air d'être bien, ce qui arrive, c'est bien. Faites attention pour le deuxième, hein. Donc 4 millions, ça c'est clair. 190 000, évidemment. 812. 4 millions, 190 000, 812. 4, 1, 9, 0. 8, 1 et 2. Merci beaucoup. Youpi! On est arrivé au 100, au 100, au 100, au 100 clics, c'est formidable. C'est formidable, merci beaucoup. Pour un vendredi, c'est pas mal quand même. Hein. Merci. Alors, deuxième partie de notre exercice, écoutez bien. Souvenez-vous, on a fait la première partie tout à l'heure. Ça, c'est la deuxième partie. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir des mots qui sont très très proches, mais bien sûr, qui sont prononcés de façon différente. Attention, attention, je ne vais prononcer qu'une seule fois le mot. Vous devez écrire le mot ou donner la lettre. Mi. Alors oui, on est d'accord, hein, on est d'accord que la bonne réponse, eh bien, c'était la réponse A et c'est le mot mi. Alors mi, voilà, regardons maintenant les deux mots. Le premier, celui que nous avions, c'était mi, i-i-i-i, m-i-e, on ne prononce pas le e final, mi. Le deuxième mot, eh bien, c'est mou, et le son c'est vraiment ou, 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 ou. Mi, mou, d'accord. Edgley qui nous dit au revoir Edgley et à bientôt. Attention, le deuxième, ça va être la même chose. Écoutez bien, je vais juste prononcer une seule fois. Bu. Alors, Sundar nous quitte. Au revoir, Sundar. Parce que Sundar va se coucher à cette heure-là, normalement. Bonne nuit et faites de beaux rêves, Sundar.
Alors là, oui, on est d'accord, hein, pas de problème, effectivement. Là, c'est la différence entre le « ou » et le « u ». Ici, effectivement, c'était « bu », « b-u », d'accord. Faites attention, Felipe, faites attention, Olga, et courage. C'était le « u, u, u » qui est vraiment, vraiment très, très, très fin. Donc, le « a », c'est, on va les prendre comme ça, voilà, « bou ». Et le B, c'est bu. Bou, bu. Ice Cube, mais on ne peut pas voir ta bouche quand tu prononces. Non, parce qu'Ice Cube, il y a ce qu'on appelle un micro. Et le paradoxe, Ice Cube, si le micro n'est pas là, vous voyez la bouche, mais vous n'entendez pas. Et oui, on doit choisir. Allez, on continue avec numéro 3. Le numéro 3, attention, attention. Donc tous ces mots existent, bien évidemment. Je vous invite à les chercher si vous ne les connaissez pas. Attention, une seule lecture. Moule. Allez-y. Alors, Stardust qui nous quitte, au revoir et à bientôt. Alors ici, effectivement, c'était, eh bien, c'était le B et c'était moule. C'est celui qui est rond et qui est ou, 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 ou. D'accord. Le premier, alors on va les faire ensemble, si vous voulez. Le premier, donc le A, ce sera U, mu, 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 mule. Et le deuxième, c'est ou, 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 moule. Mule et moule, qui sont assez proches l'un de l'autre. Attention, numéro 4. Numéro 4, ben voilà, attendez une seconde, voilà. Vous. Allez-y. Alors, regardons, regardons, effectivement, hein, c'était le A ou c'était vous, donc celui qui est très, 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 très rond. Alors, encore une fois, hein, nous allons regarder ensemble les deux. Le A, c'est le OU qui est très, très rond, vous. Le deuxième, c'est le U qui est beaucoup plus étroit et c'est VU. D'accord ? Vous, VU. Allez, attention, le dernier. Numéro 5. Numéro 5, c'est la même, les deux mêmes sons. Su. Alors, je regarde, et oui, et oui, et oui, hein, très très bien, effectivement, c'était le B ou c'était su. Même chose ici, je vais vous proposer la prononciation des deux. Encore une fois, le A, très rond, ou, sou. D'accord. Le deuxième, beaucoup plus étroit, su. Sou, su. Merci beaucoup.
Allez, le proverbe du jour. Et le proverbe du jour, c'est un proverbe chinois. Et ce proverbe nous dit « Quand tout va bien, on peut compter sur les autres. Quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. » Qu'est-ce que vous en pensez ? À vous la parole. Alors, je vous donne le temps, bien sûr, d'écrire Vouslat qui nous dit, et qui est en première position, qui nous dit « Je suis tout à fait d'accord ». Georges qui nous dit « C'est absolument correct ». Julia qui nous dit « La vie m'a montré que quand tout va mal, on peut compter que sur soi-même et personne d'autre ». Ah donc même pas la famille. Même pas la famille, hop, on se prend en main et on y va tout seul ou toute seule. Yesero, en effet, c'est tellement vrai, mais parfois on peut compter sur ses amis pour le soutien. Sophia X qui dit « C'est vrai ». C'est comme ça qu'on sait qui sont nos vrais amis. Luciana « Oui, mais ça dépend ceux qui sont les autres et qui sont la famille ». Eh oui, c'est toujours une question de définition, Luciana. C'est nécessaire de définir les termes. Qu'est-ce que la famille et qu'est-ce que sont les amis? Je ne sais pas. Olga Ruiz, ce n'est pas vrai. Vous prouvez très bien de la famille chez les amis et les voisins aussi. Voilà Olga, c'est ce qu'elle nous dit. Donc cette notion de famille peut-être est plus large qu'uniquement les liens du sang. Yossi qui nous dit « Dans le besoin, on reconnaît ses amis. La famille est même plus. Cherylline, je ne peux pas même pas commencer à exprimer à quel point je suis d'accord avec ce proverbe. » Ah d'accord, donc c'est... On va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Svetlana, oui, mais mes amis sont très bien aussi. Tout à fait. Tout à fait. Jim qui nous dit, vous n'avez jamais rencontré ma famille. Oh, on a tous des familles très intéressantes. Oui. Mais bon, c'est toujours la même chose. Luciana a expliqué que c'est une question de définition. Qu'est-ce qu'une famille? On ne sait pas. Peut-être les gens qui sont très proches. Hillary, oui, c'est la famille qui est toujours là. Soukiana, carrément, je suis d'accord. Benter, ça dépend. Les autres qui sont dans ta vie, s'ils sont très proches, et on peut se confier quand tout va mal. Hip qui nous dit, c'est vrai, mes problèmes sont les miens. D'accord avec Julia, je pense. Sarah, so it's your first time, Sarah, so it's in French, this one, okay? So if you want to have the thing for the beginners, it will be exactly at the same time, so 2 hours before, because we're reaching the 2 hours, and it will be on Monday. Monday it will be English and French, d'accord? Today it's in French, and tomorrow it will be in French because it's for the advanced. Today it's intermediate, and tomorrow advanced, so it will be French and French. Zara, c'était vous. Oui, Mercurialman, c'est vrai. Je suis Dani, c'est triste. Et là, on peut pleurer, mais c'est vrai. Roman qui dit, je pense que mes amis sont toujours là. Eh ben voilà, une note positive. Je dis bravo. Très bien, merci beaucoup.
Et oui, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Hein. Le verbe du jour, c'est youpi youpi, la possibilité de faire un petit peu de conjugaison. Conjugaison, conjugaison, souvenez-vous, ce sont les temps que nous utilisons en français. Ce sont tous les temps que normalement vous devriez maîtriser pour être à un niveau B2. Et oui, je le dis parce que Julia va dire « Oh, oh, le passé simple, si !» Mais pour nous, pour cet exercice, nous allons uniquement nous intéresser à ces temps-là. L'exercice, il est systématique. C'est toujours la même chose. La première personne, « je ». Attention, j'ai modifié un petit peu, ce sera de la négation. Yeah! On commence avec le présent, youpi! Le verbe croire au présent, s'il vous plaît. Première personne, forme négative, allez-y. Et là, il y a un risque très clair de perdre des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui vont partir. J'en ai déjà vu 4 qui sont déjà partis. Ça y est, ça commence à descendre. C'est normal, c'est la conjugaison, ça fait peur. Je vais changer, je vais arrêter avec le rouge sur le fond noir. Ici, c'était « je ne crois pas ». Donc, on est d'accord que le « croit », vous devez l'écrire « C-R-O-I-S ». Pour l'instant, c'est parfait. On continue avec le futur simple. Futur simple, le verbe « croire », première personne, forme négative, s'il vous plaît. Alors, Sandeep qui nous dit « Hi, I'm Indian. Welcome, Sandeep, but then this lesson is in French because it's for intermediate. And then tomorrow it will be in French too. If you want to join the lesson, that will be in English. And in French, it will be on Monday. Next Monday at the same time, meaning by that 2 hours before. » Alors ici, effectivement, le verbe, bon, la négation, ça n'est pas vraiment problématique, c'est juste pour décorer un petit peu. Le verbe, c'est croire, et donc la forme pour le futur, c'est croirait, a-i, on se souvient, pas de s, ça c'est le conditionnel. Allez, passé composé, attention, le premier temps composé, faites attention pour le positionnement de la négation. Toujours la première personne, s'il vous plaît. Alors oui, très très bien pour le moment. Hein. Faites attention, puisqu'effectivement, comme d'habitude, hein, la première partie de la négation avant votre auxiliaire, ici c'est « avoir », et la deuxième partie juste après, donc « je n'ai pas cru ». D'accord ?« Je n'ai pas cru ». Le « pas » doit toujours venir juste après votre auxiliaire. Allez, on continue avec l'imparfait, s'il vous plaît. Première personne, toujours la même chose, négatif.
Alors, pour le moment, eh bien, très très bien. Oui, félicitations. Ici, hein, donc, le verbe croire à l'imparfait, pour la première personne, ce sera croyait. C-R-O-Y-A-I-S. Je ne croyais pas. Bon, le positionnement de la négation est relativement simple, hein, puisque c'est une forme simple de verbe. Plus que parfait, deuxième temps composé. Attention, le plus que parfait du verbe croire, première personne, forme négative, s'il vous plaît. Alors, c'est Cheryline hein, qui définitivement est une machine de guerre, une machine à conjuguer. Donc ici, c'est la même chose que tout à l'heure avec le passé composé. Votre négation ne et pas sera avant et après votre auxiliaire. Donc ici, je n'avais pas... Et après ça, vous mettez votre participe passé cru. Je n'avais pas cru. On continue avec le conditionnel présent. Conditionnel présent, première personne, forme négative, s'il vous plaît. Alors, oui, effectivement, hein, donc ici, c'est presque comme le futur simple qu'on avait tout à l'heure. La seule différence, souvenez-vous, c'est la terminaison A-I-S. Je ne croirais pas, C-R-O-R-A-I-S. Et on termine, ouf! J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible avec le subjonctif présent, s'il vous plaît, première personne, on y va. Alors, c'est bien ce que je voyais. Hein. Je voyais les gens qui partaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement, c'est totalement différent, mais ça, vous ne pourriez pas le faire dans un amphi, vous le faites, les gens restent. Ici, clic, 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 les gens s'en vont quand ils voient que c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas, que je ne crois pas. Ici, c'est le subjonctif, et le subjonctif, eh bien, vous allez l'écrire C-R-O. I-E, que je ne crois pas. Merci beaucoup pour les personnes qui sont restées. Vous êtes des puristes, vous êtes courageux, je dis bravo. Allez, ce sera le dernier exercice pour aujourd'hui. C'est la troisième partie, le troisième volet de écoutez bien. D'accord ? Donc vous, bah j'imagine que vous étiez là depuis le début, je ne sais pas. En tout cas, on va écouter, je vais prononcer des mots qui seront assez proches les uns des autres. Et bien sûr, vous allez me donner, peut-être, ce serait peut-être plus efficace, et en tout cas mieux, si vous écriviez le mot que vous entendez plus que la lettre. D'accord ? Comme ça, ça vous fait un petit exercice, et c'est toujours bien d'écrire. Attention, je le prononce une seule fois. D'accord ? Lu. Thank you.
Alors, ici, l'idéal, hein, donc c'était de choisir le A. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui ont hésité. Je suis Lani, vous avez entendu l'autre. Roman, vous avez entendu l'autre. Alors faites attention, ici c'était vraiment U. Le U est très très étroit. U, comme ça, mais ça c'est pour Ice Cubes. Alors, regardons ensemble les deux. Le premier, c'est un U, lu. Et le deuxième est beaucoup plus rond. Ou, loup. Le premier, lu. Le deuxième, loup. La technique, hein, quand on fait de la phonétique comme ça, faites les sons beaucoup plus longs. Hein. Essayez de vous installer dans la prononciation du son. Lu, vous le faites long. Loup, vous le faites plus long et après vous allez le faire normalement. Lu, loup. Allez, on en a encore quatre et puis après je vous quitterai. Le deuxième, regardons le deuxième ensemble. Coup. Alors oui, effectivement, hein, donc c'était le premier. Faites attention, Felipe, ça n'était pas le deuxième. Hein, le deuxième, c'était le UUU. Ici, c'était le premier. Donc, le premier, ouh, hein, le son qui est vraiment très, très rond. Cou. Alors, je vais aller, voilà. Le premier, c'est cou. Et le deuxième, c'est cu. D'accord. Même chose, faites-les assez longs. Cou et le deuxième Q. D'accord. Alors faites attention, ceux qui ont entendu le U, c'était pas le cas là, hein, c'était vraiment le OU. Cou, Q. D'accord. Allez, on continue avec le numéro 3. Numéro 3, eh bien c'est la même chose ici. Une petite seconde, voilà. Cours. Alors, je regarde. Une petite seconde. Hop là. Alors, donc ici c'était eh bien, le deuxième. Hein, le B, c'est court. Alors, le premier, regardez. Le premier, toujours la même chose. U. Hein, très étroit. Cure. Et le deuxième, beaucoup plus rond. Court. Premier, cure. Deuxième, cours. Allez, on continue. Numéro 4. Numéro 4, eh bien, c'est toujours la même différence. Hein. C'est l'idée. L'idée, c'est d'être systématique. Attention, poule. Allez-y. Alors, on regarde ça. Chérine, j'ai pas compris les confédérés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-moi. Aujourd'hui, je suis un peu lent. Mon cerveau ne fonctionne pas à la puissance optimale et à la vitesse optimale. Ici, c'était poule. Alors ici, c'est le ou. D'accord? Le rond.
Ça n'a pas l'air d'être très clair pour tout le monde, la majorité oui, mais il existe encore des personnes qui avaient un doute. Le premier A, on va le prononcer très très rondement, ou, poule. Et le deuxième, on le prononce u, pull. Le premier, poule. Le deuxième, pull. Allez, et on va finir avec le numéro 5. Eh bien, le numéro 5, c'est toujours la même distinction pour le son. Attention, attention, boule. Ouais, alors là c'est bien, là je dois dire bravo, 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 c'est très bien. Donc ici, oui, nous étions à la recherche eh bien, du mot boule, hein, c'est vraiment le ou, encore une fois. Donc la même distinction que tout à l'heure, hein, c'est l'idée. Ici, le premier, vous allez le prononcer comme un ou, boule, et le deuxième, eh bien, vous allez le prononcer comme un u, bulle, d'accord ? Boule, bulle. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment, vraiment sympathique. Je vous souhaite de passer une bonne journée, soirée, nuit. Et puis on se donne rendez-vous demain, si vous voulez. En tout cas, moi je serai là avec grand plaisir. Merci, au revoir.